après jour, mois après mois, presque une année, pour repousser le départ sur la mer au lendemain. Héraclès, en colère, se mit en marche vers la ville. Il convoqua ses frères dans la ville. Salsa, tu manquais de la mer. Est-on venu jusqu'ici pour se marier? Et toi, Abba, tu n'avais pas déjà un foyer? Quel plaisir y a-t-il à prendre racine dans cette campagne? Voulez-vous devenir de vulgaires lamourards près de femmes fécondes? Et la donjon d'or, bande de minables, de couillons, pour l'arracher, qui se chargera à votre place? Vous croyez qu'elle va tomber du ciel avec des prières et des invitations? Mais réveillez-vous pour demain. Moi, Héraclès, je lève l'ancre sur le pied, que ceux qui viennent me suivre reprennent les rames. Quant à Jason, j'ai trouvé une maison. Laissons-lui la gloire de vivre entouré d'une armée de marmots. Le temps de rassembler leurs idées et de prendre congé, les rameurs étaient au complet. Jusqu'à Jason qui donnait sur le pont un ordre de brasser en fuite. Seul Idmon sur le sable s'attardait dans les yeux d'une femme.